Salut tout le monde, c'est Larbon, on se retrouve pour l'épisode 11 de Rogue Legacy, donc une toute nouvelle vidéo dessus, où tout simplement on va retourner tout en bas pour essayer d'affronter à nouveau les mobs, et surtout, parce que les mobs sont vraiment puissants en bas, donc en bas dans les enfers, on va essayer plutôt de trouver des pièces, et puis aussi trouver des nouvelles nouvelles salles, quoi, pour essayer de trouver ce qui nous intéresse, c'est-à-dire trouver des salles de boss. On n'est pas encore prêt pour les salles de boss pour les affronter, mais on peut très bien s'entraîner pour ça, donc hop, voilà, on va continuer. Et puis il y a toujours le... Ouais, je vois pas pourquoi ils nous mettent le chariot de Noël derrière. Il y a ok, enfin le traîneau de Noël, du Père Noël, il y a aucune raison de le mettre. Donc c'est leur clip après. Ok, bon, on a quelques pièces. Donc là, on va prendre le téléporteur et direction tout en bas. Voilà. Donc là, on avait débloqué quelques salles. On va essayer de foncer à nouveau. Alors. Oh, j'avais pas fait gaffe, putain. J'allais me faire shoot là. Ah, ok. Ok. Merde. Hop, nickel. Et ok. Il faut être proche pour qu'il puisse nous toucher. Et putain, quand même, il nous fait quand même pas mal de dégâts en vrai, on sait, mais. Et hop, on a quelques pièces. La musique est plutôt stressante ici quand même. J'espère que. Ok, c'est quoi ça? Et. Sort trouvé, c'est un sort. H. Oh! Ah, ok, non, j'ai vu. Ah, donc en gros, ouais, c'est vrai! Donc, je savais pas, mais on peut avoir des sorts en plus temporaires juste pour une utilisation par exemple. Ok. Merde, ça veut pas. Ok. Ils sont violents ceux-là. Ils sont violents. Beaucoup trop violents. Hop, on va continuer. Oh! Ok, c'est quoi ça? Vous avez prié pour demander de l'aide, ouais. Et. Botte d'Hermès. Oh, c'est bien plus cool quand on se balade là. Je sais pas ce qu'il y a là, mais du coup là on est sur le nouvel univers au moins. Voilà. Voilà, hop. Et putain, oui, c'est galère. Il faut être vigilant à chaque fois. Hop. 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 Tac. Non, merde, putain. Je pensais que j'allais réussir. En fait, j'aurais dû sauter sur lui. Pour essayer de faire le maximum. Donc là il faut garder du coup bon alors là comme perso. Oh putain, il est géant lui. Gigantisme. Je sais pas si c'est un trait qui va être utile, mais putain il est géant. C'est énorme. Donc, du coup on va pas oublier de sauvegarder, voilà. Il est géant, putain. 66 d'or, du coup je peux pas améliorer plus pour le moment. Donc il faut essayer de foncer quand même. Est-ce qu'on peut passer vraiment là? Oui, on a la place. Ok, donc en vrai les mecs ils peuvent pas être plus grands. Ouais, c'est limite. On peut pas être plus grand. Là, ah oui, c'était le. Ouais, le gigantisme avec l'épée qui est vraiment très puissant. Voilà, c'est trop puissant. Hop, hop. Voilà, double, double. Non! Je suis mort! Si rapidement! Je suis mort beaucoup trop rapidement! Je pensais que j'allais durer plus longtemps! En demandant. Un héros audacieux, statistique faible, mais peut infliger des attaques critiques dévastatrices. Ok. Votre héros de base bon dans tous les domaines, bouclier de garde. Lui, il a quoi en spécial? Sort faux. Sort poignard. Lance un poignard, ouais. Une héroïne audacieuse, faible, et vous ne savez jamais où vous êtes. Ah merde. Lui, il a l'air mieux en fait. Même si c'est un truc de base en fait. Il a l'air mieux parce que du coup les autres, statistiques faibles déjà. Mais lui, il a un atout, il va vite. Et nous, on a besoin d'aller vite là. Donc c'est plutôt cool. Et en combat, je pense pour aller vite, c'est plus pratique. Soit aller vite, soit être grand. Là, en vrai, on peut tellement aller loin avec celui-là. Donc, hop. En vrai, je sais pas si les salles sont infinies. Ok. Voilà. Et on passe par là. Nickel.
Donc là, ok, et là on n'a pas de d'autres téléporteurs pour l'autre côté. Donc hop. Voilà, tac, on passe par là. On passe de ce côté là du coup pour tester. Pour tester un peu la map. Je sais plus comment on fait pour l'avoir. Tab, voilà. Et du coup la map. Ok, on est. Ok, donc là on descend et puis c'est bon, on peut trouver un truc. Ok. Nice. Merde, c'est un rocher ça. Ok. Tac, on descend. Oh putain, c'est quoi ce mob? C'est quoi ce mob? Par un mini plante. Mini plante. Ouais mec. Mini plante, putain, déjà il s'appelait Sir Useless. Putain. Useless 2. Il est où l'autre Useless? Il y en a eu un autre du coup. Non? Ou alors on l'a pas choisi, puis du coup. Et il n'y a pas de. Globert, lit. Tiens, on en a tenté beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Il y en a bien trop, c'est abusé. Je vois pas de useless pour le moment. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est beaucoup trop. Ah! On arrive, Dame Marie, Shirley et tout. Ok. Et. Pour le moment, il y a. Ah, il était en tout premier. Il était dans les premiers à peu près. Ok. Ouais, en vrai, non, peut-être pas les premiers quand même. Si, si, les premiers. Il était dans les premiers, ouais. Envoie un chakram qui revient vers vous. Ok. Attends, on a les dates de quand est-ce que ils ont vécu les gens du coup. Et du coup, on peut savoir combien de temps, combien de personnes on a utilisé. Si on va vraiment loin dans les années, je pense. Faudrait voir, mais j'ai vu un 2500, 2600 pour le perso d'avant. Donc ça c'est explorer pour voir si c'est ça. Ça pourrait être cool. Voilà, là je prends juste pour les pièces en fait. Parce qu'il y a des bâtiments tout proches, voilà, donc j'en profite. Et hop, donc là il faut trouver un autre téléporteur mais dans la zone à droite. Voilà, la zone là. Faut essayer de trouver un autre téléporteur. Merde. Voilà. Tac, tac. Ok, nickel. Hop, 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 et voilà. Oh, critique! Et hop, nickel, on n'a pas d'or. Moi, je suppose que devait abriter ces caches de base. Là où il y a rien. Ah, ouais, là où il y a rien. Il y a peut-être juste de l'or. En vrai, je sais pas à quoi servent ces trucs. À quoi ils servent, ces éléments-là? J'en ai aucune idée. Ah du coup on a pris les... Ouais là, je n'ai plus là. Ok. Ah merde. Faut que je sois assez proche. Ok. Merde. Non, j'ai réussi à mourir avec un seul. Putain. Je pensais que c'était safe en plus. Je pensais que j'allais réussir à passer. Moi j'ai envie de... vas-y, on arrête le temps comme ça, on va foncer comme un bourrin. Voilà, on fonce comme un bourrin. Et du coup, je peux encore plus montrer les persos. Je vais montrer juste après, je pense. Et du coup, on va foncer comme un bourrin, là. Il faut surtout pas oublier l'architecte, sinon ça serait un désastre si on le perd. Parce que j'ai pas envie de le perdre. Ok. On confirme. Donc là, on n'a pas trouvé la salle du boss déjà en sous-sol. Est-ce que c'est possible de la découvrir sans avoir tout... débloqué, ah, on est en 2D sans avoir en fait sans avoir déjà débloqué avec le boss. Ça je sais pas du tout, donc hop, voilà, c'est par là. C'est ok, merde, dac, putain, non, je suis pas doué, je vais essayer de mourir alors que je les mets en pause, les ennemis. Mais ouais, le truc c'est qu'il faut les éviter du coup, c'est chiant ça. C'est galère des fois de les éviter. Ah, et j'ai toujours pas montré, bon. Ok, apparemment il a peut-être un problème en tout cas ce... Oh, il va vite. Ça c'est un point fort qu'il aille vite. Si s'il était plus lent, ouais, ça aurait été moins bien, mais là... Oh, comment il vole. Oh. Ça sert à rien de voir comment ils volent. On s'en fout totalement.
C'est juste stylé, waouh! Superman! Ouais, c'est vrai, Superman. C'est. Attendez. On dirait comme un super héros dès qu'il vole. Avec les. Hop, les genoux là en avant. Comme ça. La posture en avant. C'est stylé. Putain, on a beaucoup débloqué là-haut quand même. Là, il y a un coin qu'on n'a pas débloqué à gauche en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. À gauche, il y a un coin qu'on n'a pas débloqué par là. Voilà. Donc là, hop. Ouais, bon. Merde. Hop. Merde. Putain, non, en vrai, ouais. Beaucoup trop violent, faut que je les évite tous. Faut que j'évite tout le monde. Donc là, on va pouvoir voir les héritiers. 2608, 2628. Est-ce que c'est 20 ans, ça met. Là, ça met 2500. Ça fait 39 ans. Ici, c'est 24. C'est par rapport au temps de survie, j'ai l'impression. Genre, lequel a survécu le plus longtemps? Soit lui. Soit lui. Non, c'est lui, peut-être. 2438, 2462, il a duré longtemps. Et c'était aujourd'hui, je crois. Il a duré hyper longtemps. Et bon, après, il y en a d'autres qui ont duré un peu plus de temps aussi. Donc, c'est par rapport à combien de temps il dure. Donc, par rapport au temps de jeu, en fait, en vrai, on peut dire. Donc, 2628. Sachant que les mecs qui ont tout one shot, en vrai, bon, ils mettront déjà moins de temps à le faire, mais du coup, ils vont, même si, genre, vous utilisez moins de, what? Il y a il y a une autre langue, là. Même si vous utilisez moins de personnages, de descendants, vous allez quand même avoir la même durée de vie à la fin si vous faites le même temps de jeu au total. Voilà. Bon, en vrai, c'est peu probable. Sauf si vous y arrivez vraiment pas avec les. What? Il a. Ah non. Je crois qu'il avait un petit problème dès qu'il tapait, mais. Non, il n'y a pas de problème, c'est bon. Ok, c'est bon, il a aucun souci. Hop, on se téléporte en bas. Et. Nice, hop. Voilà, par là. Ok. Hop, hop. Merde, on s'en fout. Voilà. Oh putain, je l'ai évité sans le faire exprès. Mais là, ouais, du coup, on va foncer sans prendre les pièces. Voilà, on fonce sans prendre les pièces. Nickel. Hop. Hop. Une minute. Ici. Et. Par là. On a été tué par un Incendiaur. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était en vrai. J'ai pas trop fait gaffe, je crois. Les capacités de classe sont très puissantes quand elles sont utilisées correctement. Ok. En vrai, ils ont les mêmes phrases dès qu'ils meurent. Mais je crois que c'est parce que j'utilise jamais l'arme. Le truc genre pour aider, j'utilise jamais l'arme comme ça. Ce truc-là. Vas-y, meurs! Meurs! Merde. Meurs! Meurs! Merde. Meurs! Voilà. J'ai réussi. Et voilà, c'est bon. C'est pareil pour l'architecte. Ah putain, ah non. J'ai cru que l'épée resterait pendant que verrouillerait le truc. Ok. Allez, let's do it. Allez, hop. Dernière partie. Donc. Bon, là, on va en monde normal. Et on fonce. Voilà. Hop. 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 Je sais pas si on peut aller plus loin. Hop. 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 Par là. Ah bah ouais, bon, on va aller dans les ténèbres en fait. Bon, c'est pas grave. Non, par là par contre. Mais, ouais, ici. Oh bah oui, lui il est one shot par contre. Là, ça one shot dans ce monde là, mais l'autre monde c'est une autre histoire. Et encore pire pour le monde la plaine en fait. C'est encore pire là-bas. Là, c'est un. Ouais, le téléporteur.
pas aller à droite ni à gauche. Ok. Oh, il y avait le monde juste à côté direct. Oh putain, mais on était juste à côté. Juste directement là. Hop, hop. Voilà. Ok. 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 Nickel. Ah merde, j'avais pas vu ça. J'ai plus trop de vie là quand même. Mais oh, on va réussir à se faire rejoindre les deux entrées qu'on avait eues avant. Yes. Du coup, je les rejoins les deux côtés. Ok. Merde. Ok. 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 Hop. Et putain, 17 de vie. Ah bon, voilà, je suis mort. Mais du coup, on a réussi à bien avancer. On est merde, ça s'appelle comment? Ça doit être le... Non, pas le paradis. En vrai, c'est pas le paradis. Ça peut pas être le paradis vu les monstres qu'il y a. C'est... Je vois. C'est la plaine, on va dire. On va l'appeler la plaine, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'il y a des noms au monde. Il y en a 4, il me semble. Vu qu'il y a 4 boss. Donc ça, faudrait voir, mais... Je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à aller sur le serveur Discord, je mets le lien en description et je l'affiche à l'écran là. Sur ce, c'était Largo. Tchuss.